Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les gens vont faire le trail du vignoble nantais. C'est un petit 12 km. Je sais que je l'avais déjà fait, je sais plus, l'année dernière. Non. Ou l'année d'avant, mais genre il pleuvait de ouf, c'était horrible. Ah bah c'est tout simplement une hallucination collective. Et là on a une météo, ça a rien à voir. Arrête la drogue. Et bah là en fait il va faire méga chaud, donc ça va être compliqué je pense, parce que ça fait que depuis 2-3 jours qu'il fait super chaud, donc le corps n'est pas encore habitué à la chaleur, donc ça va être dur je pense. Donc voilà, ça va être une petite sortie de récup. Ce matin j'ai fait 10 km, donc voilà, ça va faire une petite doublette. Ça va faire 22 au final, donc c'est cool. Donc je vous emmène avec moi, c'est parti. Clément, on va continuer nous à accueillir les coureurs du 77 km ici au parc du Loiry. Bon voilà, c'est parti. Un petit 12 km en mode trail. Pendant que les coureurs étaient... Ah, il va faire chaud les amis. Sur cette course, il y a la possibilité de faire 76 km, 105, 24, 18 et 12, oui. Il me semble, et le 105 c'est un challenge. Oui, c'est-à-dire que tu... ils font les trois. Oui, ils font les trois courses en fait. C'est-à-dire, donc ils partent, et oui, il y a un 45 km aussi. Bon les amis, quelle surprise. Oh, quelle surprise. Condition physique, moins 9. C'est mon record, mais dans le mauvais sens, tu vois. Moins 9. Ça fait beaucoup là, non? Ok. Ça fait plaisir, tu vois. Ouais, c'est bien humide hein, quand même. La boue n'a pas encore eu le temps de sécher. Du coup, ça glisse quand même. En fait, j'ai oublié de préciser, mais nous sommes à Vertou, donc dans le sud de Nantes. Donc c'est beaucoup campagne, il y a des paysages assez cool à voir. Allez, premier bouchon, 2 km 500. Allez, d'accord. Là ça glisse pas mal, et si on n'a pas les chaussures de trail, bah c'est compliqué d'avancer. Joëlette, ouais. Bravo à vous. Merci. Bon courage. Merci. Merci. Vous avez lavé mes chaussures exprès, tu vois. Vraiment pas de chance. Allez, bientôt, 5e kilomètre. Allez, bon courage. Merci beaucoup Elisa, Gabriel. Merci pour Gabriel. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il dit là? Oh, dis bloc, je me dis. Je comprends rien. J'ai pas compris. Voilà. On respecte la règle, c'est-à-dire nous ne sommes pas prioritaires. Il y a un passage piéton normalement, les gars. Ça va, les gens sont disciplinés, c'est bien. Bravo, bravo. Allez, 5e kilomètre. On n'a pas encore fait la moitié. On crève de chaud. Mais sinon, tout va bien. Allez, la première grosse montée.
à 5 km 40. Allez, 7e kilomètre. Toujours aussi gras. Non, bah, je... Ah, ça doit être le ravito. Allez, bravo. C'est vrai qu'il fait un peu soif quand même. Vous enroulez ? Ouais, ça tombait bien le ravito là parce que. On crame, hein. D'ailleurs j'ai bien fait d'emmener ma casquette parce que là vraiment ça cogne dur, il fait 27 degrés donc c'est compliqué. Allez, on adore ça, on adore la boue. Au secours. Allez, tant que j'y pense, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche. Bon, nous y voilà sur des chemins un petit peu plus praticables, des petits chemins propres, bientôt au 10e kilomètre. Allez, 11 km, c'est bientôt la fin. Oula, ça a l'air d'être super gras. C'est gras. Oh la vache, ça glisse à mort. Oui, on voit bien lui. Hein. Allez, 12 km, on fait le tour là, et l'arrivée est de l'autre côté. Il fait chaud, très très chaud, ça accroche. Avec la gadoue en fait, les chaussures, ça pèse 3 kilos quoi. C'est un truc de ouf. On va arriver, Clément là. Allez, bravo Larry, bravo Julien. Bravo Élise, bravo. On se retrouve au nocturne tout à l'heure. Bravo Freddy et Cécilia. Bravo Camille, ouais. Félicitations. C'était dur hein. Laurie. Que c'est beau. Je suis partie tranquille. Puis ensuite, quand j'étais bien, j'ai commencé à accélérer. Et après, bah, j'étais quasiment à fond, donc c'est cool. Le trail du vignoble nantais, c'est terminé. Et on se retrouve, je sais pas quand, puisque la semaine prochaine, je bosse tout le week-end. Je pourrais éventuellement faire le semi-marathon de Nantes si je trouve un dossard. Mais sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !